Et hop, un AI-Seed une semaine de plus, donc à nouveau pour essayer de comprendre un peu les avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine de la photo. On va se focaliser sur l'histoire de photographes connus du passé ou du présent et, comme les semaines précédentes, utiliser ChatGPT pour les informations, DALL-E et Midjourney pour les illustrations de ces informations et donc aller vérifier par vous-même les vraies informations. Mais demandons déjà à l'IA, demandons-lui la bio de cet artiste. Il est un photographe japonais connu pour ses images surréalistes et fantaisistes. Il est né à Totori au Japon et a commencé sa carrière en tant que photographe commercial, photographiant pour la publicité et les magazines. Dans les années 40, il a commencé à développer un style personnel qui combinait des éléments de surréalisme avec un sens de l'humour. Son travail mettait souvent en scène des objets et des paysages quotidiens transformés en scènes fantastiques et oniriques. Il était connu pour son utilisation de la perspective forcée qui donnait à ses images un sens de profondeur et de mouvement. Il utilisait également des modèles et des costumes soigneusement chorégraphiés, ce qui contribuait encore plus à la qualité surréaliste de ses photographies. Ses photographies ont été largement exposées au Japon et à l'étranger, et son travail a été inclus dans de nombreuses collections de musées. Il a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, et ses photographies continuent d'être appréciées et admirées aujourd'hui. Ok, donc là, à nouveau, j'ai demandé à Dali d'illustrer les premiers propos de ChatGPT, donc la bio du photographe par des images associées. Et donc peut-être certains d'entre vous ont peut-être deviné de qui nous parlions. Mais peut-être pas pour d'autres, c'est Shoji Ueda. Donc Shoji Ueda, on va essayer peut-être d'en savoir un peu plus sur son style. Donc IA, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le style de Shoji Ueda est connu pour ses images surréalistes et fantaisistes. Il a combiné des éléments de surréalisme avec un sens de l'humour pour créer des photographies à la fois fantastiques et oniriques. Son travail met souvent en scène des objets et des paysages quotidiens transformés en scènes étranges et fantastiques grâce à l'utilisation de la perspective forcée, ce qui donne à ses images un sens de profondeur et de mouvement. Il utilisait également des modèles et des costumes soigneusement chorégraphiés, ce qui contribuait encore plus à la qualité surréaliste de ses photographies. Donc là, on a effectivement ces deux premières illustrations pour le style via DALL-E. L'image avec la fourchette et l'œuf, assez impressionnant. Et l'utilisation de la couleur, qui est un peu moins connue dans son travail, en tout cas de moi. J'aime assez la composition de droite, ça marche assez bien. Donc ça, c'est DALL-E. Par contre, Midjourney, alors ça, c'est une semaine où j'ai commencé à vraiment intégrer du Midjourney à peu près à tous les niveaux de la présentation. Midjourney a eu beaucoup de peine avec les objets. Alors, il semblerait qu'à partir du moment où on parle d'objets, d'éléments, certains termes qui sont un peu plus génériques, ça prend le dessus un peu de son essai de créer, de se rapprocher en tout cas du style demandé. On le voit là, à gauche. Par contre, à droite, avec les paysages, la mise en scène, la composition, alors là, difficile à savoir. Là, je vais vraiment pas très loin dans la science de la promptographie, donc des questions posées à l'IA et les descriptions pour lui demander de composer des images. Mais là, le résultat, je trouve plutôt probant à droite, assez intéressant de la part de Midjourney. Écoutons-en un peu plus. Les photographies d'Ueda se sont démarquées par leur originalité, sa capacité à créer un sens de l'émerveillement et pour son utilisation de l'humour. Son approche de la photographie était caractérisée par un sens de la lucidité qui donnait à ses images une qualité légère et joyeuse. Il était également connu pour sa capacité à créer un sens de mouvement et de profondeur dans ses images, ce qui contribuait au sens de réalisme et de crédibilité dans ses photographies. Voilà les deux premières images par DALL-E. Toujours ce petit côté peinture, dessin dans le rendu des images. À nouveau, ce serait intéressant de savoir si c'est lié aux ressources données à la création des images et c'est une certaine limitation du temps de processeur, par exemple, ou de l'électricité utilisée. Et que si on changeait juste ce paramètre, on aurait des images plus impressionnantes. Mais en tout cas, en termes de composition, c'est moyen, mais il y a quelque chose qui pourrait s'approcher. Midjourney, par contre, on a l'impression que là où DALL-E se réfugie dans un rendu un peu à la peinture à l'huile, Midjourney se réfugie dans un style un peu cinématographique, comme cette image de gauche. Alors, les costumes pourraient ressembler à des personnages, pourraient ressembler à certaines choses qu'on retrouve dans le travail du photographe de Ueda. Et l'image de droite, pourquoi pas? Peut-être un peu
trop centrée, trop explicite, mais on a quelque chose qui s'y essaie en tout cas. Écoutons encore un peu sur son style. En outre, les photographies du Edda étaient caractérisées par leur qualité intemporelle, ce qui les a aidées à rester pertinentes et iconiques des décennies après qu'elles aient été prises. Son travail est considéré comme l'un des plus importants du XXe siècle au Japon et continue d'être apprécié et admiré aujourd'hui. Les deux images de Dali, alors là j'aime beaucoup. Alors au-delà du fait que j'aime beaucoup ces deux images, je pense qu'elles pourraient correspondre à certains aspects de la photographie de Ueda. Outre le noir et blanc, un côté un peu vaporeux du traitement, du choix de la matière, ça marche assez bien. Les deux images de Midjourney, voilà, là on revient sur ce que j'appelle se réfugier vers un look cinématographique. On a effectivement une certaine simplicité, un certain minimalisme de la composition. Mais après, je ne suis pas convaincu que j'aurais dit Ueda en voyant ces deux images. Des images qui ressemblent vraiment plus à du Midjourney interprété différemment. Donc, ça serait intéressant un jour, j'espère peut-être avoir un ingénieur de ces outils qui puisse nous parler de la façon dont sont construites ces images, pas seulement sur le principe de base, mais sur les raffinements de leurs outils. Mais vu qu'on a un shoji virtuel, on va peut-être lui demander une création sur mesure. Est-ce qu'on pourrait avoir une photo d'un couple se promenant dans un paysage japonais avec des oiseaux qui volent en arrière-plan, des champs de fleurs et une tempête au loin? Photographie dans le style du photographe Shoji Ueda. Alors voilà, on commence par Dali. Cet aspect, alors très fort là sur ces deux rendus, très fort d'impression de peinture à l'huile plus que de photographie. Mais après, bon, on a différents éléments. Les parapluies sont probablement là pour essayer de représenter le sens de l'orage. C'est intéressant, la façon dont l'intelligence artificielle interprète le prompt. La phrase descriptive. Les oiseaux aussi, c'est un petit peu. C'est pas très dans le détail, comme pour les fleurs. Encore deux autres images, un peu pareil, là, donc des exemples assez simples. Il y a peut-être un peu de l'inspiration de Shoji Ueda, mais bon, pas trop à mon avis sur le coup. Et encore des exemples de Midjourney, et là, alors voilà, ça c'est vraiment typiquement. Pour moi, il y a un essai de minimalisme dans le rendu, de côté dramatique, mais je trouve pas que la technique présentée là, imitée là, que la composition en elle-même m'exprime vraiment Shoji Ueda. C'est un peu plus tapant, c'est pas si ça manque un petit peu de minimalisme, c'est très détaillé. On a vraiment l'impression qu'il y a ce vernis coloré, contrasté. Même chose pour les deux dernières images de Midjourney. Personnellement, non, là, je trouve que beaucoup de difficultés pour Midjourney, un rendu qui est, en absence de contexte, qui est intéressant, mais là, je ne trouve pas que ça marche très bien. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poster plus bas, des recommandations pour les prompts. Et puis voilà, j'espère que ça vous a bien entretenu, bien amusé, et à la semaine prochaine!